Bienvenue chez Lyrix. Je vous propose d'entrer dans l'univers du premier fabricant français de clôtures et portails métalliques qui existe depuis presque 100 ans. Grégory, bonjour, vous êtes le directeur opérationnel de la société. Bonjour, et au nom des 800 collaborateurs du groupe, je vous souhaite la bienvenue en Mayenne. En effet, depuis près de 100 ans, nous fabriquons de la clôture et du portail, de la haute clôture française, autrement dit de la protection périmétrique. Il s'agit de protéger les habitations, qu'elles soient individuelles ou collectives, les sites logistiques, les sites industriels, y compris ceux de haute sensibilité. C'est près de 22 500 km de clôture que nous fabriquons chaque année. Waouh, mais ça c'est plus de la moitié de la circonférence de la Terre. Oui, c'est cela, et c'est même un peu plus que cela, puisqu'il faut y ajouter les 28 000 portails que nous fabriquons ici en Mayenne. Donc, bienvenue chez Lyrix, et très bonne visite. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Nous nous trouvons ici sur le plateau commercial. C'est là que les commandes de clôture et de portails provenant de toute la France et de l'étranger sont prises et enregistrées. On traite des centaines d'appels par jour et on enregistre mensuellement plusieurs milliers de commandes. La satisfaction client est la priorité de Lyrix. Pour y répondre, une organisation commerciale de proximité avec des experts produits a été mise en place. Forte réactivité et relations clients personnalisées et privilégiées sont leur quotidien. Maintenant que la commande est enregistrée, allons voir comment se passe la production et vous allez voir, c'est captivant. Chez Lyrix, nous sommes capables de produire 100 km de clôture par jour. Le fil d'acier arrive en bobine, puis il est redressé avant d'être soudé. La machine que vous voyez ici est la soudeuse. Elle permet de souder toutes les mailles des panneaux avec des diamètres de fil allant de 3,5 mm à 8 mm. Je vous propose maintenant de découvrir l'atelier de soudure des portails. C'est ici qu'on fabrique tout type de portail. Autoportant, coulissant ou encore pivotant, mais aussi des portails hors normes de plus de 70 mètres de long. Les soudeurs travaillent à partir de plans réalisés par les ingénieurs du bureau d'études. Ils sont dotés d'un savoir-faire précieux. Plus le travail est précis, plus le portail sera robuste. Sur certains produits qui le permettent, nous travaillons également avec des robots de soudure. Et on travaille vite. En seulement 2 semaines, on peut fabriquer un portail, quel que soit le type ou la couleur. Observons maintenant une phase importante, celle de la plastification haute adhérence polyester, aussi appelée thermolaquage. Après une première étape de grenaillage, un revêtement anti-corrosion est appliqué, puis on pose un revêtement polyester dans une cabine automatisée de 20 pistolets que l'on voit ici. Pour finir et fixer le revêtement, on cuit le tout dans un four à 190 degrés. Ce processus permet à Lyrix de garantir une qualité anti-corrosion excellente avec des tests brouillard salin supérieurs à ceux du milieu automobile. Lyrix répond aussi aux exigences écologiques grâce à l'absence de rejets atmosphériques, d'eau souillée et de solvants. Je vous retrouve ici à une étape cruciale dans la fabrication d'un portail, on l'appelle le câblage. Cette étape consiste à prééquiper le portail de pièces, d'accessoires ou de motorisations, par exemple serrures, roues, feux clignotants, crémaillères et bien d'autres. Dans cet atelier, on vérifie aussi le fonctionnement du portail avant la livraison au client. Une fois les clôtures et portails fabriqués, il ne reste plus qu'à préparer les commandes et charger les camions. On peut expédier des portails jusqu'à 16 mètres de long. Ici, à partir de 7 quais d'expédition, ce sont plus de 50 camions par jour que nous sommes en capacité de faire partir. Ces produits ne pourraient pas voir le jour sans des équipes solides en marketing, ingénierie, méthodes industrielles, contrôle de gestion, commerce, achat et bien d'autres. C'est en mode projet que l'on travaille chez Lyrix. Faciliter les échanges grâce à de la transversalité et de la convivialité. L'esprit d'équipe et le partage font de Lyrix une entreprise où culture de la performance et bonne humeur font bon ménage. C'est ici que s'achève notre visite immersive dans l'univers Lyrix. Une entreprise qui a su devenir et rester leader sur le marché de la clôture française. C'est aussi en partie grâce à la passion et à la motivation de tous les collaborateurs. Une entreprise fière d'être implantée au cœur du territoire mayennais. Un territoire industriel dynamique au sein duquel il fait bon vivre. Un bel écrin de verdure. Merci de votre visite
et à bientôt en Mayenne chez Dirix.